خبر. وقال الناطق باسمها محمد علي العروي إن الفقيد تعرض لعدة طلقات نارية أمام أحمد إبراهيم. الوضع في البلاد بحالة حرب الشوارع نتيجة الطريقة التي Je dénonce de la manière la plus ferme ce crime odieux qui vise au-delà l'ensemble de la Tunisie et sa sécurité. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le message d'envoyer, c'est de nous faire peur et de nous terroriser et de nous faire fléchir. Je crois que c'est le message est mal, a été reçu tout à fait. On est debout et on va résister, on va pas se laisser intimider ni ils peuvent nous tuer un à un, mais on continuera à être debout.